Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le jeu Assassin's Creed Freedom Cry pour le trophée La Marque du Marquis. Alors pour ce trophée, il vous faudra attaquer le Marquis, donc on va privilégier une attaque de face parce que quoi qu'il arrive il va s'échapper. Donc vous tirez sur les premiers gardes à l'entrée comme vous avez pu voir sur la vidéo et puis après il faut courir aussi rapidement que possible jusqu'à l'avant-poste au sud de la ville. Donc privilégiez les toits pour pas vous faire intercepter par les gardes. Donc du coup là voilà, vous pouvez voir le chemin que j'ai emprunté. Parce que si vous prenez le chemin principal, quoi qu'il arrive, vous ferez vous bousculer ou rattraper par les gardes. Donc privilégiez les toits pour accéder jusqu'au toit de l'avant-poste. Vous allez voir sur la vidéo. La poignée est presque, voilà. Le toit est à droite là. Hop, vous grimpez sur le toit. Vous chargez votre tromblon et vous dézinguez les ennemis. Vous faites attention à ne pas tirer bien sûr sur le gouverneur, sinon le trophée sera pas valide. Puisqu'il faut le tuer avec le fer rouge. Hop. Ah bon, je vais vous passer l'étape où je tue tous les gardes pour essayer qu'il ne reste plus que un ou deux pour pouvoir descendre. Donc voilà, à ce stade là il vous faudra bien sûr enlever la machette et vous mettre à main nue pour pouvoir désarmer le gouverneur. Donc là je vais tuer le garde qui reste. Plus que le gouverneur, donc à main nue bien sûr. Il faudra pour cela donc riposter avec la touche rond. Hop, vous voyez, si vous enchaînez pas derrière il tombe par terre, donc faut riposter et après carré pour attaquer et lui prendre son arme. Vous allez le voir là maintenant, donc petit rond pour parer, hop, carré, vous y prenez son arme, carré, 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 et après il vous reste plus qu'à l'attaquer, percer la défense et l'attaquer pour le tuer. Et vous allez débloquer le trophée, donc la marque du marquis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce, commenter et vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a aidé. Voilà, allez, à plus pour une prochaine vidéo.